Salut les fêlés du gaming! Aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu que j'ai découvert durant les précédentes réductions sur le marché Xbox Store. Donc, le jeu s'appelle Dynamic Fishing World Games. Donc, il a été créé, développé par Handy Games. C'est un petit jeu pour toute la famille où on incarne un personnage entre parenthèses pêcheur. Quand je dis entre parenthèses, vous allez comprendre pourquoi. Et où les méthodes de pêche sont un petit peu particulières, vous allez voir. Donc, on va démarrer une petite partie pour découvrir ça. Donc vous avez plusieurs mondes. Par monde, il y a 5 niveaux. Et dans chaque niveau et chaque monde, si vous êtes le premier, que vous avez fait le score, vous pourrez débloquer soit des accessoires pour votre personnage, soit des personnages, soit des accessoires pour vos bateaux, soit des bateaux. Donc voilà, rien de plus compliqué. Donc on va commencer par ce niveau-là. Donc vous voyez, hein, vous avez plusieurs persos qu'il va falloir débloquer au fil du temps. Pareil pour les bateaux. Des ultis. Donc 3 ultis par game. Mais vous en ramassez aussi pendant le jeu. Si vous faites des scores plus que haut. Donc voilà, on va lancer ça. Donc c'est un tout petit jeu où à la base j'aurais passé complètement à côté. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit bon allez pourquoi pas. Et au final c'est un jeu vraiment très drôle. Je l'ai eu pour je crois qu'il est en promo à 1,99€ ou 90 centimes, je sais plus. Bon là il a un petit peu augmenté, il est à 5€. Mais il me semble aussi qu'à la base c'est un jeu mobile. Donc voilà, le but du jeu c'est de jeter. Ah, je me suis fait toucher déjà. C'est de jeter de la dynamite pour tuer les poissons. Donc là, je suis en mode solo, mais vous avez aussi un mode où vous pouvez jouer avec un ami ou en ligne. Donc c'est vraiment un jeu complet. Pour le prix, honnêtement, j'étais assez surpris. J'ai fait quelques streams dessus pour délirer avec les viewers et honnêtement, on a bien rigolé avec ça. Donc ils sont pas à leur premier essai, hein. Ils avaient déjà fait un jeu de foot que j'ai beaucoup moins apprécié en ayant regardé le trailer. Bon après c'est un jeu troll, c'est un jeu pour toute la famille. C'est pas un jeu où on se prend la tête. C'est un jeu qui peut être drôle entre deux séances de jeu assez hardcore quand on a envie de se détendre. Moi perso, c'est un jeu que je kiffe. Bon, après je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Mais pour un premier let's play sur la chaîne, je voulais faire un jeu qui me tenait à cœur quoi. Donc là, on va lancer un ulti. Hop. Donc vous voyez les petites animations comme ça, c'est hyper drôle. C'est vraiment un jeu troll. Couche plus très propre. Ok, j'ai ramassé ça. Je sais pas trop ce que c'est. C'est la première fois que je débloque un truc en tuant des poissons. En fait, le but du jeu, c'est de tout le temps bombarder. Donc, vous avez des petites pièces à ramasser aussi pendant vos parties. Et ces petites pièces, elles vous servent juste à récupérer de la vie si vous faites toucher. Là, si je viens à mourir, je pourrais ressusciter avec ces pièces. Hop, on va relancer un ulti ici. Ouais, le grippin qui électrocute tout le monde. Hop. Alors, il y a des poissons qui me tirent dessus. Là, je vous l'ai dit, c'est un jeu troll. Hein. Hop, lui, il est mort. Je vais prendre l'ulti qui est ici. Donc voilà, hein, c'est un jeu assez drôle. Fun, marrant. Toute la famille peut jouer, ça peut détendre, ça peut passer le temps aussi quand on n'a rien à faire. Vraiment un jeu pas mal. Hop. Alors c'est pas parce qu'on arrive premier que forcément on va gagner la partie. Parce que j'ai eu souvent le tour où j'arrivais avant les autres et au final bah non j'avais perdu. Parce que c'est tout compte sur les objectifs et le nombre de poissons que tu vas pêcher. Bon, là j'ai perdu. Donc voilà. C'est. Même sur le nom des persos, honnêtement,
Ils se sont vraiment éclatés à faire du troll jusqu'au bout. Donc voilà, bah écoutez, on va tester un autre niveau avant la fin de la vidéo. On va aller carrément à l'opposé, on va aller au Japon. Alors, on va essayer d'améliorer. Non, je peux pas améliorer ça. Est-ce que je peux personnaliser mon bonhomme? Alors oui, j'avais débloqué une moustache. Hop, on lui met une moustache. Les ultis, j'ai le plein. On est parti pour le Japon. Terrain de jeu de Tokyo. Donc chaque monde est un pays différent avec un décor attitré. Les poissons sont déguisés. En gros, c'est les sept mers, quoi. C'est vraiment le jeu. Autant les jeux de pêche simu, c'est pas du tout mon kiff. Mais alors, des jeux comme ça, qui n'ont ni queue ni tête à la base, moi ça m'éclate. Honnêtement, c'est un jeu que je kiffe. Donc là, on va essayer de faire un maximum de dégâts. Donc là, vous voyez l'autre joueur en arrière-plan qui fait sa petite chasse perso. Alors vous pouvez lancer la dynamite plus loin, plus ou moins loin, mais moi je me prends pas la tête. Vous voyez, vous pouvez l'acheter comme ça, vous pouvez l'acheter en l'air, vous pouvez l'acheter carrément, voilà, dans l'eau. Bon, après c'est. Alors là, il y a un poisson avec un bouclier. Ok. Ok. On continue. Alors le jeu, je le trouve assez beau. Je sais pas pour vous, mais je le trouve assez beau. Et puis assez coloré aussi. Hop, on jette le grille-pain. Voilà. L'avantage, c'est qu'il sera déjà cuit. Pourquoi il y a un robot là par terre? Pas le ramasser. Donc il y a plein de petits trucs dans l'eau, il faut faire super gaffe parce que on peut trouver soit des objets qui peuvent nous aider, soit des objets qui peuvent nous désavantager. Et ça c'est assez chiant parfois. Il y a aussi des poissons qui sont relativement relous. N'hésite pas à sauter pour vous enlever de la vie. Hop. On continue. Dernière zone de pêche. C'est parti. On va jeter l'ulti ici. Je sais pas, c'est un sushi. Ouais. Un genre de sushi. Complètement what the fuck. Et là, on va jeter la dernière bombe. Alors là, ça ne lui a rien fait du tout au poisson là avec le bouclier. D'ailleurs, il est. Ah bah si, il est là. Non, ça lui a rien fait. Ok, bah tant pis. Continue. Alors, quand il y a un triangle comme ça, en général, c'est qu'il y a un boss qui arrive. Et j'ai plus d'ulti. J'ai plus d'ulti. Ah bah non, le niveau est terminé. Bah écoutez, voilà. Très content de vous avoir fait découvrir ce jeu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo si ça vous a plu. C'est très important pour nous, pour le lancement de la chaîne. C'est seulement la première vidéo découverte. Il y aura d'autres vidéos par la suite, donc très prochainement, sur un tout autre jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao!